Elio, ça va? Et ça va Mathieu? T'as trouvé facilement? Ouais, j'ai trouvé, c'était vraiment dans la rue, c'était à côté, hein. C'est facile. Tant mieux. Bah, je te propose d'aller à l'atelier de sculpture dont je t'ai parlé. Et sur la route, j'ai juste un petit truc à faire, ça te dérange pas? Les cache-cartes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait pas longtemps que j'ai envie de voir ça, donc... Je te propose d'y aller, on y va? Ok, je te suis, hein. Super. Et du coup, Mathieu, ça fait combien de temps que tu vis ici? Là, ça va faire deux ans. Ça va faire deux ans depuis le premier moment où j'ai atterri pour la première fois. Et après, pourquoi t'es resté? T'as kiffé le pays, tout ça, c'est quoi? Il y a beaucoup de raisons. Je pense que il y a plusieurs points. Le premier, c'est la curiosité. Je sens que j'avais besoin de continuer à explorer. La deuxième raison, c'est les rencontres. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, dont ma fiancée. Donc c'est une histoire de tomber amoureux du pays, mais tomber amoureux aussi de certaines personnes. Et après, c'est des amitiés, c'est des rencontres, quoi. Et du coup, Mathieu, t'es quand pour trouver cet endroit? Bah, tu sais, à Yerevan, tout est à 5 minutes à pied à peu près, tu vois. Donc c'est ça ce qui est bien, c'est que t'es dans la capitale et tu peux tomber par hasard sur des endroits totalement insolites, originaux, cachés, qui ont leur propre identité en fait. Donc il y a beaucoup plus de place pour le hasard en fait. Et du coup, dans le futur, tu t'imagines vraiment rester sur le long terme en Arménie? Ouais, pour l'instant c'est ce qui fait le plus de sens en fait. Meilleur barbier de la ville. Des entreprises, des start-up, des ONG, toutes sortes de choses en fait. De voir que par des rencontres, tu peux changer la vie des gens ici. Et que ces rencontres-là, elles te changent aussi la vie à toi. Donc c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas à sens unique. C'est réciproque en fait. Et ça, c'est extrêmement... En anglais, c'est rewarding. Et bonjour. Jika. Love it. Jika, please. Love, merci. Donc, je vais poser mes affaires et on va commencer. Jika. Love it. Et on va pouvoir commencer. Bon, du coup, je vois que tu es vraiment tombé amoureux du pays, tu es vraiment imprégné, intégré. Si jamais tu vois quelqu'un qui pense à venir vivre ici en Arménie, est-ce que tu aurais des conseils pour lui? Écoute, moi je pense que je dirais une seule chose. C'est venir sans préjugés, ne rien anticiper et voilà, venir et être prêt pour découvrir cet endroit tel qu'il est, avec tous ses contrastes et toutes ses particularités et tout son côté profondément unique en fait. C'est ce que je dirais. Mais bon, au travail.